Ok les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je sais qu'elle est très atypique, tout simplement parce que cette vidéo sera la dernière postée sur ma chaîne YouTube. De toute façon, vous avez sûrement lu le titre juste avant de cliquer sur la vidéo. Donc voilà, il y a justement plusieurs raisons à cela. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Le parcours YouTube m'a vraiment apporté, j'ai rencontré des personnes formidables, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, tout ce qui est montage relationnel. Prendre les choses en main sur les serveurs Discord par exemple, on est déjà à pas mal de vidéos comme vous le voyez. Et je me suis vraiment fait une place dans YouTube français pour Mobile Legends, mais actuellement, suite aux diverses raisons que je vais vous énoncer juste après, je ne peux pas continuer. Donc pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un post dans le salon communautaire de ma chaîne YouTube qui énonce toutes les, on va dire, toutes les raisons de mon départ. Il faut donc savoir que en premier temps, ce jeu ne m'attire plus du tout. Tout simplement parce que c'est un jeu qui est quand même assez âgé, il a vu beaucoup d'années, il a plusieurs années depuis sa sortie. La communauté française n'est plus ou pas assez présente sur les réseaux ou même sur Mobile Legends. Et tout simplement je prends plus de plaisir. Ça fait déjà on va dire environ 6 ans que je suis sur le jeu depuis sa sortie en fait, donc 6-7 ans il me semble. Et voilà, j'ai envie de passer à autre chose et vraiment faire des vidéos ou jouer à Mobile Legends, ça ne m'attire plus du tout. Et il faut aussi savoir que Mobile Legends était à son apogée vraiment il y a environ, je dirais, 2, 3, 4 ans de ça. Et justement, ça se ressent sur YouTube, notamment sur le fait que bah, Mobile Legends, c'est pas une niche où on peut choper beaucoup d'abonnés, où on peut choper beaucoup de viewers. Ça fait déjà 2 ans que je suis sur YouTube. Bon, certes, j'ai fait pas mal de pauses, mais c'est pas assez par rapport à ce que je souhaite. Là, je suis même pas encore à 3000 abonnés alors que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Pourtant, tout ce qui est SEO, donc pour ceux qui savent pas, le SEO, c'est le référencement naturel des vidéos. Lorsque vous mettez Mobile Legends France, j'arrive en premier. Enfin voilà, c'est les mots-clés, etc. Donc il n'y a vraiment pas d'excuses. J'aurais dû. Enfin, si le Mobile Legends était beaucoup joué par les Français, j'aurais dû notamment exploser. Un autre point important, c'est que la modération de Mobile Legends France, je l'ai toujours dit, mais je ne l'ai jamais dit dans la vidéo, c'est vraiment des incapables. Pas les modérateurs, parce que justement, ils sont recrutés. Mais tout ce qui est, par exemple, le responsable. Je fixe une personne en particulière qui ne prend pas les choses en main, qui ne s'occupe de rien, qui fait juste des giveaways, des petits concours, etc. de droite à gauche. Mais par rapport à Wild Rift, qui est arrivé, ça a vraiment rien à voir. Elle prend pas les choses en main, elle s'occupe pas de tout ce qui est YouTuber, streamer, alors que c'est eux qui devraient être mis en avant pour faire la promo de leur jeu. J'ai eu plusieurs fois recours à eux pour demander un partenariat. Ils m'ont tout de suite refoulé, donc c'est pour vous dire à quel point ils en ont rien à foutre de la communauté française. Et bien sûr, je commence à rentrer dans le monde du travail. Je vais commencer un boulot à plein temps avec mes études. Je monte un business en ce moment, donc forcément, ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps justement de monter des vidéos, de jouer et en plus de m'occuper du serveur Discord. Pour ce qui est du serveur Discord, je vais mettre des amis de confiance à la tête du serveur. Je serai toujours dessus. J'aurai toujours mon compte Discord, hein, vous pourrez toujours me MP, mais je ne serai plus actif dessus, je parlerai de temps en temps si l'envie me prend, mais voilà, faudra pas compter sur moi, le serveur va changement changer de nom, va sûrement changer de bannière, donc je vous le laisse toujours en description si vous voulez y venir. Et pour ceux qui justement veulent me suivre, même après mon arrêt sur YouTube, je vous mets mon Instagram qui s'affiche juste ici. Donc voilà, si vous voulez aussi voir ma tête, je n'ai jamais fait de facecam. Et justement, si vous voulez découvrir un peu à quoi je ressemble, je vous invite à venir me follow, mon compte est en privé. Donc voilà. Donc voilà les gars, pour ce qui est de la chaîne YouTube, je ne sais pas si un jour je vais la reprendre ou pas. Ça dépendra de mon envie et s'il y a un autre jeu qui m'intéresse ou pas. Bien sûr, je vous remercie pour ces 2 années passées à mes côtés. Ces 2 années et plus du coup. Passer à mes côtés, mais il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous m'avez apporté sur Mobile Legends France, enfin sur le jeu Mobile Legends. Vraiment, ça a été une aventure incroyable durant plusieurs années. Ça fait vraiment au tout début du jeu que j'y suis, et vraiment, ça a été un bonheur de jouer avec certains joueurs et avec d'intégrer certaines communautés. J'ai pas mal de vécu sur ce jeu, j'ai un peu toute mon enfance sur ce jeu aussi. Donc c'est un départ très dur aussi pour moi, mais c'est une décision mûrement réfléchie et tout à fait justifiée, je pense, dans le fait qu'on grandit tous un jour et qu'on n'a plus forcément le temps de jouer aux jeux vidéo comme si on était au collège ou au lycée.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous porter, que ceux qui sont sur ML, je vous souhaite de réussir vos games, de tryhard et d'atteindre les top globaux comme j'ai eu la chance d'obtenir avec Franco et d'être le premier Franco pendant un moment sur Mobile Legends. Donc voilà, merci beaucoup pour tout le soutien encore une fois. Je vous aime. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram si vous voulez discuter un petit peu. Là, vous aurez vraiment mon compte personnalisé avec tout ce que je fais tous les jours. Ou sinon, vous pouvez toujours venir me MP sur le bon serveur Discord. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura plus de vidéos sur Mobile Legends sur ma chaîne YouTube. J'arrête définitivement. Merci encore à tout le monde et je vous dis du coup à la prochaine. C'était Xelask. Merci pour tout. Et du coup, à bientôt.